Oui, je ne me verrais pas passer toute la journée dans un bureau et de la même manière, je ne me verrais pas passer toute la journée dehors. Donc, c'est vraiment que c'est un avantage du métier de conducteur de travaux, je trouve. Cyril, ingénieur travaux, ça fait 2 ans que je suis chez Socotrap et quasiment 10 ans d'expérience en tant que conducteur travaux. Alors, c'est un métier qui est très social. Il faut travailler beaucoup en équipe avec beaucoup de gens différents, de milieux sociaux différents, de personnalités différentes. Donc voilà, il faut aimer les gens pour pouvoir travailler dans le BTP. Bon, c'est plutôt les réunions d'équipe, oui, autour d'un café où on parle boulot et en même temps on parle vie privée, on déconne, c'est le plus sympa. Oui. Je pense vraiment que c'est un métier où c'est possible. D'ailleurs, j'ai pas mal d'exemples où j'ai travaillé avec des directeurs qui avaient un directeur qui avait même pas le CAP. Donc oui, je pense que c'est un des derniers secteurs où c'est vraiment possible de monter sans avoir un grand diplôme. Impossible de s'ennuyer. On ne sait pas toujours ce qu'on fait dans la journée. On peut avoir plein de tâches différentes qui arrivent d'un coup. C'est vraiment très polyvalent et c'est ce qui me plaît dans le métier d'ailleurs. Qu'il faut avoir un caractère ouvert sur les autres personnes, organisé. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans la tête, il faut savoir classifier les choses à faire. Aventure humaine, challenge, responsabilité. Alors moi j'ai eu la chance de toujours travailler avec des femmes en conductrice de travaux ou sur des autres chantiers. Donc il faut y aller, c'est pas du tout sexiste. Non, il faut y aller. Non, 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 ça change rien. Au boulot, c'est pareil. Non, on rencontre les mêmes personnes dans la vie professionnelle que personnelle la plupart du temps. Donc non, il n'y a pas plus de sexisme qu'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a c'est un monde de bourrin, au final c'est pas le cas. Il y a beaucoup de postes différents, plein de profils différents, plein de postes, plein de métiers différents, et des gens au bureau qui vont travailler que sur ordinateur, des gens sur chantier jusqu'au maçon, qui est un peu plus physique, mais on n'est pas que des bourrins. Le président directeur général aime bien les Aveyronnais, quoi.